Merci. Mes parents, ils ont acheté la ferme en 58, alors je ne trouvais plus. C'est pas d'aujourd'hui qu'on est là, hein, tu vois. C'est depuis 58, hein, j'avais 7 ans, moi, alors. C'est bien, c'est bien. Bon, on est bien placé, là. C'est super. Puis chacun son métier, hein. Ouais. Non, c'est ça, hein. J'aime mieux faire ce que je fais que vous, hein. Ouais. J'ai moins de complications à faire. Ah ben, faut pas arrêter, hein, parce que sinon, c'est pas bon. Il faut mieux continuer, tu vois, c'est bien, non? Non? Ouais. C'est mieux quand on travaille. Ça fait plaisir de travailler, non? Parce que quand t'as vécu comme ça, t'es obligé de... C'est comme Laurent là-haut, toi, dans sa menuiserie, il oublie de continuer, quoi. Parce qu'ils ont autant. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça, non? Mais je pense que ça sera pareil pour vous. Si tu fais quelque chose pour toi, t'es obligé de continuer, toi. Ça, c'est ça, quoi. C'est une passion, c'est tout. C'est pour le prendre, faut le prendre comme ça, toi. Parce que si tu te le prends pour le travail, tu ne vas pas travailler, quoi. Non? Mais pour une passion aussi, hein. Tu crois pas? On a entrelacé des branches pour installer un nid. En haut d'un très grand arbre. Assez grand pour y lever un homme. C'est bizarre. Un nid. Pourquoi faire ? Qui avait pu avoir une idée pareille. On tombe dessus par hasard, pas d'accès prévu, aucun balisage, aucun signe pour dire suivez le guide, rien. C'est bizarre. Capsule Tarzan, refuge pour martiens écologistes. C'est bizarre. C'est des branches pour installer un nid. Oh, le très grand arbre. Assez grand pour élever un homme. C'est bizarre. We'll be right back.
s'arrêter là. Forêt à des zéros. Le temps passe. L'air est frais. Le temps passe. Les animaux grandissent. Rien n'arrive. Mais ça correspondait un peu à un rêve, quoi, de venir s'installer à la campagne, de... Oui, d'être les acteurs de notre vie. De... Parce qu'en fait, on a recommencé un peu à zéro, toute une évolution, quoi. Quand on est arrivé ici, il y avait... c'était assez primitif, l'organisation. C'était... Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, c'était... Et ça nous attirait plutôt qu'autre chose, quoi, ces étapes à franchir. On a commencé tout de suite à... Karine a trouvé un petit boulot à mi-temps, au Sursenor. Et moi, je faisais un petit peu de menuiserie, mais vu qu'on n'avait pas d'électricité, je faisais tout à la main, quoi. Je faisais en regardant les autres menuisiers, ça s'est développé comme ça, quoi, petit à petit, à un rythme relativement humain, quoi. J'ai tout de suite acheté un peu du bois aux paysans. J'avais tout de suite envie de faire un développement, de retrouver un développement vertical, c'est-à-dire que je contrôle tout, de l'arbre au meuble fini. Ça m'a mis en contact avec des paysans. Il y a une grande vénération pour le travail. J'ai la chance d'aimer assez travailler, quoi. Moi, c'était aussi pour les enfants, parce qu'on avait déjà deux enfants. Donc, j'avais envie de les élever à la campagne, parce que j'avais le souvenir de mon enfance dans la ferme de mes grands-parents en Suède, et pour moi, c'est en fait, inconsciemment, c'est resté un idéal, quoi. C'était une ferme un peu autonome où ma grand-mère faisait tout, ma grand-mère tissait, enfin. J'avais appris à teindre en Suède et en Suisse. On vivait que de la laine, pratiquement. Et quand c'était le gros boom, quoi. Et puis après, j'ai élevé les enfants. Bon, on les emmenait à l'école à Colmar, et puis donc mon temps était pris comme ça. Et du jour au lendemain, j'ai dit, bon, maintenant, les enfants partent. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Les enfants partent, c'était toute ma vie. Et je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je fasse vraiment ce que j'aime, quoi. Et alors là, c'était incroyable, parce que du jour au lendemain où j'ai fait ce que j'aimais, il y a plein de portes qui sont ouvertes. J'allais juste te dire, il a rien dit pendant tout. Marie pour moi. Mais ne lui en parle pas. Embrasse
mari pour moi. Mais je lui en parle pas. Tu peux lui dire que je suis mort, que je suis perdu en mer, que j'ai trouvé l'amour au loin. Oh, mais ne lui dis rien. De cet endroit-là, embrasse ma chérie pour moi. Mais surtout ne lui dis pas embrasse Marie pour moi. Et surtout ne lui dis pas que je suis enfermé là dans ce cachot noir et froid où j'ai perdu la foi. Oh, ne lui dis pas que je suis enfermé là
dans les années 70, comme je disais, qui était une période où il suffisait de quelques dollars en poche, un passeport, et puis les frontières étaient quand même beaucoup, beaucoup plus ouvertes à l'époque. Hein. La route des Indes, hein, la fameuse route des Indes, Turquie, Iran, Afghanistan, Pakistan, Inde, puis jusqu'à Katmandou, quoi. Donc on a quand même aussi su en profiter en quelque sorte, hein, de cette possibilité de voyager. C'était très facile, quoi. Puis il y a eu cette proposition de travail dans l'association Du Champ de la Croix, hein, qui prenait en charge les enfants handicapés, quoi. On était vraiment prêts parce que on avait beaucoup voyagé avant. On avait souhaité en fait ne plus être spectateur. Et puis on était fin prêts pour un nouveau voyage, mais plus un voyage intérieur. Et puis ça, c'est une histoire maintenant qui dure depuis 33 ans, quoi. Ben là, le fait d'être à la retraite là, depuis 7 mois, hein, je peux passer plusieurs heures comme ça. Hein, je suis presque serein, quoi. Il m'arrive des fois, quand je suis dehors, d'entendre les battements d'ailes des oiseaux. J'entends les bourdonnements juste de l'insecte qui passe. J'étais même tenté de me retirer complètement dans un monastère, par exemple, pour me retirer complètement de ce monde que... où je comprends plus trop grand chose. Je sais pas si d'autres comprennent quelque chose à ce qui se passe, mais je sais plus quoi dire en fait, quoi, par rapport à... Je discute avec des gens, je sais pas quoi. Ça m'intéresse plus, quoi. Je revendique le droit de ne rien faire, quoi.
courir tant de chevaux. J'ai tant de fois changé de nom, brouillé les pistes, coupé les ponts. J'ai enterré, perdre le fil, partir en mer, quitter les îles. J'ai tant aimé, tout oublié, tout dispersé, tout effacé. Je veux maintenant perdre en prenant ta main mon temps. Je veux prenant ta main maintenant perdre mon temps avec toi. On voulait prendre quelques images quand tu travailles. Ah, quand je travaille, il faut que je travaille alors. Et salut tout le monde, salut. Salut. Ça va? Ça va, merci, oui. Et alors, ta femme, elle a entendu la musique l'autre soir? L'autre jour quand on était chez toi? Ah bah c'est sûr, oui, bah elle était dedans. Alors. Qu'est-ce c'est bien, et puis la fille aussi. Mais ça, ah, donne, ouais. Ça donne quand même dedans. Hein. Ah ça donne bien. Ça, super, là faut pas dire contre. C'est un bon c'est musicien, Rodolphe. Ah ouais, hein. Ah ouais, ah ouais. Ah ben ça c'est puis ça donne, hein, ouais. Hein, ça c'est bien.